Voilà, je me présente, David Znaty, je suis ingénieur de formation, diplômé du MIT, et depuis 1985, je suis expert judiciaire, expert auprès de la Cour de cassation et auprès de la Cour pénale internationale. J'ai eu à traiter un certain nombre d'affaires de forensique et depuis plusieurs années, j'assiste d'ailleurs au Cybertech, qui est pour rester au fait de ce qui se passe en matière de technologie dans ce domaine. Juillet 2021, j'ai été appelé par les avocats du Royaume du Maroc pour m'exposer une problématique qui concernait l'accusation du Royaume du Maroc qui aurait utilisé un logiciel Pegasus de la NSO israélienne et pour écouter un certain nombre de personnes. Cette accusation aurait été formulée par des rapports d'Amnesty International qui ont été repris par un certain nombre de médias. Compte tenu de l'importance de cette affaire, j'ai préféré constituer un collège d'experts, un expert en matière de transmission, télétransmission et autres, qui s'appelle M. Bernard-Denis Larocque, et deux autres experts judiciaires qui font énormément de forensique, comme moi, M. Jean-Arnaud Cosse et Antoine Leroux. Nous quatre, nous sommes experts auprès de la Cour d'appel de Paris et deux auprès de la Cour de cassation. Dans cette affaire, je vais tout de suite donner les conclusions que nous avons émises dans notre rapport, qui a été déposé le 8 août 2021. La conclusion est qu'il fallait être extrêmement prudent quant aux constats qui ont été faits et aux publications qui ont été faites dans les journaux, basées sur une analyse technique sur laquelle je vais revenir. Dans notre conclusion, les éléments techniques dont l'intégrité n'est pas vérifiable, tels que publiés par Amnesty International, ne permettent pas, en aucun cas, d'identifier ou de localiser techniquement l'utilisateur de Pegasus. Et cela, quel que soit l'émetteur, pas uniquement le Royaume du Maroc. Ceci nous amène à dire que sur le plan technique, la prudence est de mise en l'état des informations publiées. Ce point est important. Et je vais expliquer comment nous avons mené la mission qui nous a été demandée. La mission qui nous a été demandée, c'était de simplement caractériser les éléments techniques et s'ils étaient des éléments probants ou non. Dans notre rapport, nous avons commencé par rappeler quels étaient les éléments qui nous permettent de faire du travail de forensique en matière pénale sur des matériels informatiques, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, des routeurs, ce que l'on veut. Et un des éléments fondamentaux de notre travail, c'est la traçabilité et de vérifier que tous les éléments qui ont été constitués ont été tracés, commentés, documentés sur le plan technique. Une fois que nous avons rappelé ça dans notre rapport, nous avons listé les documents que nous pensons être ceux sur lesquels se sont basés les médias ou Amnesty International pour amener les conclusions qui ont été les leurs. Ces trois rapports sont le manuel d'utilisateur de Pegasus, et je vais rappeler tout de suite après comment fonctionne ce logiciel. Ensuite, la méthodologie forensique Amnesty qui a été constituée pour déterminer si un logiciel, si un téléphone a fait l'objet d'une écoute par NSO. Et le troisième document, c'est le Transparency and Responsibility Report 2021 qui nous a été communiqué par les avocats du Royaume du Maroc. Alors, tout d'abord, le mode de fonctionnement de Pegasus. Pegasus est un
système qui est basé sur le principe du 0D et du 0-click. Le 0D veut dire qu'il y a des failles dans les systèmes utilisés, comme Android ou iOS pour Apple, qui ne sont connues de personne et pour lesquelles il n'y a pas eu de correction. Ces failles permettent d'utiliser les logiciels développés pour écouter ou rapatrier des données. Et enfin, le zéro clic, c'est qu'on rentre dans le système sans aucune utilisation, en disant ce qu'on appelle des failles, et je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques. Donc le 0D, le 0-click. Une fois qu'on est rentré, Pegasus installe un agent, dans le terminal, qui peut être le téléphone, l'ordinateur, ou ce que l'on veut, et selon des paramètres utilisés dans le serveur qui contient le logiciel Pegasus, il peut, à un certain moment donné, écouter, prendre des informations, ainsi de suite. Et quand il le souhaite, il peut tout effacer dans le système pour qu'il ne laisse aucune trace. En plus, Pegasus utilise une technique pour masquer l'origine du serveur qui s'appelle PATN, Pegasus Anonymizing Transmission Network. Ce système permet de complètement cacher, comme le Darknet, de cacher les éléments pour retrouver qui est l'émetteur qui va rentrer dans mon système. Et généralement, donc, c'est très dur de retrouver l'émetteur. Ce qui est important, c'est que si on veut savoir qui a écouté, telle ou telle personne ou pays ont émis des écoutes sur des numéros de téléphone, le seul endroit où cette information existe, c'est là où est le serveur NSO. Et donc, la partie investigation qui n'est pas de ressort des experts techniques, qui relève d'une investigation policière ou autre, va être le seul élément prépondérant pour déterminer une preuve structurée telle qu'on recherche dans cette affaire. Donc, ce que nous avons fait, nous avons aussi repris dans notre rapport toutes les données communiquées par Amnesty International dans ces rapports. Notamment, dans ce rapport, ils ont communiqué 18 adresses mail sur lesquelles, qui ne sont pas des adresses mail iCloud, mais des adresses mail Gmail ou Outlook, et on n'a pas la liaison avec iCloud. En l'état de ces communications, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de dire d'où viennent ces adresses mail et ces noms de domaine, puisqu'il y a d'autres noms de domaine qui ont été donnés dans ce rapport. Amnesty dit qu'ils ont publié 600 noms, mais on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils ont été faits et comment ils ont été associés à la CNSO Group. Donc, je reviens donc à la conclusion que nous avons émise dans le rapport, qui est très importante. Les éléments techniques fournis par Amnesty International, ou tels que publiés par Amnesty International, adresse iCloud pour iMessage, nom des domaines, liste de cibles, ne permettent en aucun cas d'identifier et ou de localiser techniquement l'utilisateur du malware, Pegasus. Quel qu'il soit, notamment le Royaume du Maroc, et nous amène à dire que sur le plan technique, la prudence est de mise en l'état des informations publiées. Et je rajoute qu'alors que nous avons déposé notre rapport le 8 août 2021, le 1er septembre 2021, les investigations de la police espagnole dans une affaire similaire avec Pegasus n'a pas donné plus d'informations et est arrivée aux mêmes conclusions que les nôtres.